parle beaucoup d'écologie. Très souvent, cette écologie, elle est à l'horizontale. Il faut manger des petites graines, il faut manger ceci, c'est sympa, ok, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'acquérir cette vision, de voir la nature en son ange, de voir l'arbre en son ange. Quelque objet que tu vois à l'extérieur, tu le vois en son ange, c'est-à-dire dans sa dimension subtile. À partir de là, tu ne peux plus lui faire de mal. Que ça soit une fourmi, tu prends une fourmi, c'est ridicule une fourmi, tu peux l'écraser avec ta bagnole, c'est pas grave. Et tout d'un coup, tu vois, en transparence de cette fourmi, tu vois l'être angélique de cette créature. Et tu fais le même raisonnement pour tout. Pour tout. Et à ce moment-là, si beaucoup d'hommes arrivaient à ce stade-là, je pense que le problème écologique serait de loin résolu. On n'oserait plus faire un trou dans la terre comme on le fait. Tu vois, par exemple, les Indiens ne font pas des trous dans la terre. Ils ne plantent pas. Alors on dit c'est des fléaux, tu comprends. Ils ne plantent pas parce... Non, parce qu'ils font mal à la terre. Donc ça veut dire quoi? On va dire c'est ridicule. Non, ce n'est pas ridicule. C'est-à-dire qu'ils vivent la terre comme une matrice. Donc c'est ce travail expérientiel, cet enseignement expérientiel qui devrait être petit à petit essayé auprès des jeunes, auprès des enfants, dans les écoles, etc., etc. Mais bon, espérons. Merci. Thank you.